40 minutes sur l'antenne de TRG, et je suis toujours en compagnie donc de Sandy qui est avec moi. J'ai ouvert son micro, il peut parler s'il en a envie. Oui, Sandy. Allô. Oui. Alors, que Sandy, quand on est à l'antenne. Mais bonjour tout le monde. Voilà. Alors, tu es toujours en vacances jusqu'à lundi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as fait de beau pendant ces vacances? Presque rien. Comment presque rien? C'est-à-dire? Est-ce que tu, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances? Dimanche, j'ai répété pour le spectacle. Oui. Ensuite, il y a un malade qui est venu. Oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Georges. Voilà. Quand même, ça rappelle. Bon, ben. Et puis, ça s'est passé très bien ou très mal ou comment? Oh, ça s'est passé très bien. Une journée, je suis restée avec lui. Ça s'est très bien passé. D'accord. Qu'est-ce que tu comment dire? Ça s'est passé très bien, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu faisais tes journées? Est-ce que, bon, tu discutais avec lui? Est-ce que tu te promenais avec lui? Qu'est-ce que tu faisais? Explique-nous un peu. Parce que les auditeurs, ils savent pas, eux. J'ai discuté avec lui. Si je me promenais à Targon, on s'en fout bien. Oui. Oh, ça lui a beaucoup plu, Targon lui a plu, l'homme de mer aussi, et puis voilà quoi. La maison aussi. L'accueil lui a plu, oui ou non? Ah oui. Bon. Ça s'est très bien passé donc. Il est parti exactement hier. Il est parti. Non, avant-hier, voilà. Il devait partir avant-hier parce qu'il devait aller passer un examen à Bordeaux. Apparemment, ça s'est bien passé parce qu'on a quand même pris des nouvelles. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, à son avis, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut qu'il attende des résultats. Mis à part ça, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Parce que bon, on avait quand même parlé des vacances, qu'on avait parlé que tu travaillais pas trop bien à l'école. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es entraîné pour faire quelque chose ou pour t'améliorer dans quelque chose? Non. Pas trop. Hein. Bon, on en j'ai un peu lu le week-end, enfin, le soir un peu. Mm-hmm. Bon, d'accord. Et qu'est-ce, on en a parlé donc il y a plus de 15 jours, hein, puisqu'on était parti il y a 15 jours. Ah, ou plus tard, enfin, je me souviens plus très bien. On en avait discuté à l'antenne avec toi, alors bon. On avait parlé de ça. Ouais. Mais on avait parlé aussi de ce que tu voulais faire plus tard. Alors, oui, on l'a dit, le vétérinaire. Tu voulais faire vétérinaire, parce que bon, moi je ne me rappelais pas très bien. Enfin, je me rappelle très bien, mais bon, je voulais quand même que tu me le dises. Bon, c'est évident que bon, en étant mon fils, si je ne me rappelle pas ce que tu dis, ça serait malheureux. Bon, alors tu as dit que tu voulais faire vétérinaire, donc tu veux faire un bac quoi? S. Un bac S, et tu te sens d'attaque pour le faire, un bac S? Ben, il faut que je progresse, voilà. Voilà, faut que tu progresses. Mmh. Et par contre, ça t'intéresse pas un bac S, donc tu peux te diriger sur médecine, chirurgie, science ouais, tout ce qui touche la médecine, pharmacie, enfin, bref. Et médecine, ça t'intéresse pas? Ah bon, si je vais là-dedans, si. Ça t'intéresse, médecine? Oui. Ouais, parce que bon, vétérinaire, d'accord, mais bon, il me semblait que tu m'avais dit que tu voulais aussi te diriger peut-être sur la médecine. Alors bon, Freddy devait venir, il n'est pas venu. Bon, il viendra vendredi prochain. Lui aussi, il va se diriger. Mais la semaine prochaine, je vous retrouverai à 6h20 cette fois-ci. Voilà, parce que oui. Je reviendrai à l'école, j'arriverai à casse qu'à 6h20. Bon. Ah, voilà, donc. Alors comme ça, j'aurai 20 minutes avec vous. Voilà. Chaque semaine. Et oui, c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, il est en vacances. Mais sinon, le vendredi, il arrive de l'école et il le dépose devant le studio. C'est quand même bien, bien commode. Donc, je disais que Freddy devait venir ce soir. Il n'est pas venu. Bon, il viendra vendredi prochain. Il viendra peut-être avec donc Julie, qui lui aussi. Enfin, bon, il vous en parlera sûrement vendredi prochain de ce qu'il veut faire. Et dans quoi il veut se diriger, quoi. Les études qu'il veut faire et ce qu'il veut se... me semble vaguement qu'il m'avait dit qu'il voudrait se diriger sur la recherche.
Mais il a intérêt à s'accrocher à l'école s'il veut réussir à faire quelque chose dans la recherche, parce que c'est pas en travaillant mal qu'on arrive à faire quelque chose dans la recherche. Enfin, bon, comme on dit, qui vivra verra. À part ça, donc, à l'école, est-ce que tu en parles, toi, de la lutte contre le sida? Comme j'avais dit il y a 15 jours, oui, on en a parlé. Oui, non, mais entre toi et tes copains, quoi, je veux dire. Pas trop, non. Pas trop. Parce que, bon, tu sens qu'il y a un blocage ou parce que c'est un truc qui les intéresse pas? Moi, je crois les deux, moi, je dirais, parce que... Tu penses que c'est les deux? Ils viennent pour ça, pour quoi? Ouais, c'est un peu mélangé. Il y en a certains, c'est un blocage, et l'autre, c'est parce que ça les intéresse pas. Et tu crois que toi, ton rôle, ce serait pas, en fait, de les informer et de leur dire que... de l'existence du préservatif, de tout ce qui peut encourir... quand même, ils doivent le savoir, là. Ben, ils doivent le savoir, pas obligé, parce que, tu sais, bon, les parents sont pas tous ouverts à leurs enfants en leur expliquant le préservatif, la prévention, la solidarité, l'anti-exclusion, l'amour, tout ça. Bon, ben, les parents ne sont pas obligés d'en parler, parce que, enfin, ils ne sont pas obligés. Normalement, ils sont tenus obligés, enfin, ils sont obligés d'en parler à leurs enfants, mais eux, bon, c'est évident qu'il y a beaucoup de parents qui font un blocage de ce côté-là. Donc, avec Julie et moi-même, nous comptons sur toi et sur Freddy. Parce que Freddy, c'est pareil, on le pousse pour qu'il aille de l'avant et qu'il en parle avec ses copains. Quoique, bon, lui, il est encore un peu jeune, mais pour plus tard, quoi, pour quand il sera un grand garçon. Parce que pour le moment, c'est un petit garçon. Mais quand il sera un grand garçon, j'espère que lui aussi, il en parlera à l'école, avec ses copains, et que... Il parlera du préservatif, quoique, je m'avance bien vite, car j'espère que d'ici là, quand lui sera un adolescent, j'espère que d'ici là, la recherche aura trouvé le vaccin, et que lui-même, il n'aura plus besoin d'en parler autour de lui. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, tout à fait d'accord. Hein. Tu as confiance, toi aussi, en la recherche, et t'espères qu'un jour, ils trouveront le vaccin. Ben oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est de la protection, de la solidarité, tout ce qui s'ensuit, puisque de toute façon, comme je dis, on n'est pas... Enfin, moi je dis qu'une chose, c'est qu'il faut que, justement, le vaccin soit là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, il faut le de suite, hein, qu'est-ce que ça va. Ouais, qu'un jour, il y ait un vaccin. Ben oui, mais il faudrait que le vaccin soit là. Ou comme ça, ben... Pour les générations à venir, eh bien déjà n'existe plus le préservatif, quoi qu'actuellement, le préservatif est de rigueur. Tu sais ça? Ah oui. Voilà, bon, je vois que tu es hésitant, que tu n'as pas beaucoup envie de parler. Et moi, ah non, j'ai dit il y a 15 jours que je vais me progresser pour la radio, pour parler. Ah bon, je trouve déjà que c'est pas mal, hein, ce que tu fais, mais bon, je pense que ça peut venir un peu plus tous les vendredis, et puis ben, peut-être qu'on fera un animateur de TRG pour plus tard, quoi. Mais tiens, j'en ai parlé justement, peut-être qu'on fera un animateur plus tard. Et pourquoi pas, tu ferais pas une émission Bon, je te propose pas avec Freddy, parce que, bon, ça finirait peut-être en destroy, mais pourquoi pas chacun de votre côté, vous fassiez une émission sur TRG plus tard. Pourquoi pas? Mais chacun de votre côté, quoi. Vous ferez votre émission propre. Qu'est-ce que tu ferais comme émission si tu avais l'occasion d'en faire une? Toujours sur la médecine. Toujours sur la médecine. Ça t'intéresse, la médecine? Oui. Et tu ferais une émission sur la médecine? Ben oui. C'est intéressant, tout ça aussi. Bon, mais c'est à suivre, c'est à voir. Hein. Pourquoi pas. Hein. Eh bien, il est exactement 17h50, encore 10 petites minutes en notre compagnie avec votre compagnie. Et puis on va s'écouter encore une deuxième fois, parce que je...